Ok, alors nous passons maintenant à la partie pesage des différents ingrédients qui rentrent dans la fabrication de l'aliment poulette. Alors, monsieur Luc, là on est en train de peser quel ingrédient? Nous sommes encore au pesage du maïs. Donc, l'ingrédient de base de cette formule, c'est le maïs. C'est ce que nous pesons. Ok, et là nous voulons avoir combien de kilos de maïs? 330 kilos. Combien? 330 qu'il faut atteindre. 330. Et là, ce sac-là fait combien? 60. 60. Monsieur Luc, c'est une balance spéciale, celle que vous utilisez là. Non, c'est une balance électronique standard, hein, de capacité 300 kg maximum. C'est ça que l'a fait 70 là. 70 kg. Nous sommes à 345. Donc il faut relever le poids. Retirer 15 kilos. Donc le client a commandé combien? Une tonne d'aliments. Une tonne d'aliments. Donc dans la tonne, là vous avez 330 kilos de maïs. Et ça, c'est selon sa préférence, parce que cette formule est spécifiée par le client lui-même. Ah bon? Ok. Donc nous avons ça chez nous, cette possibilité-là. Une fois le client peut venir aussi avec sa formule, ses intents, nous fabriquons cette formule. Ok. Donc, chacun a sa formule, il peut venir, moi je veux telle formule, et nous le fabriquons. D'accord. Donc ce n'est pas la formule poulette standard ou unique qui existe. Ça c'est selon ce client. Ok. Donc ça veut dire que tous les éléments que nous avons pris en compte dans la partie théorique, ça peut aussi changer? Oui, obligatoirement. Sur la disponibilité des ingrédients que vous disposez. Un autre client, par exemple, Brenda, demandera par exemple d'ajouter de l'arachide, d'autant un peu de poisson, d'autant un peu de Titanic, par exemple, des lentilles. Donc les formules varient selon le client. D'accord. Donc là, ils sont en train d'enlever 15 kilos pour 15 même kilos. Le poids de requise pour la formule. Ok. Demandé. 15, 35. Ok. Donc là, nous avons 330 kilos. Ok. Passons au centre de bœuf. Le centre de bœuf, c'est 40. Donc pour le centre de bœuf, nous allons utiliser 40 kilos, ce qui équivaut. Ce qui équivaut à un sac. Donc nous aurons besoin d'un sac comme celui-ci, qui pèse déjà 40 kilos. Nous achetons à pointe noire. Nous achetons à pointe noire, donc il est arrivé comme ça au conditionnement de sac de 40. C'est ce que nous avons utilisé. Ok. Il y a le soja, 100 kilos de soja. Donc là, vous n'avez plus besoin de peser, vous connaissez déjà son poids. Il est déjà pesé 40 kilos. Ok, 40 kilos. Ok. Donc vous allez le verser dans la machine. Vous allez vous mettre, là comme ça, vous allez voir comment on va faire. Ça c'est maintenant pour aller mélanger. Oui, oui. Maintenant, pour faire monter dans le mélangeur.
Cette machine-là, c'est le mélangeur. Oui. Mais quelqu'un qui n'a pas une grosse machine comme ça, il va mélanger avec quoi? Pour d'autres, le faire artisanalement avec des pelles. Hein. Avec des pelles, d'accord. Mais les mélangeurs de plusieurs capacités. Hein. Ah bon hein? Oui. Et là, nous sommes en train de vivre en direct comment, ici, au niveau de la coopérative PIF et de Poule, comment se fait donc la fabrication de l'aliment de bétail selon les formules spécifiques, tenant compte de la disponibilité du produit et des moyens financiers de la personne. Ça, c'est toujours le maïs. Toujours le maïs. Mmh. C'est le plus grand consommateur. Hein? Oui, c'est l'ingrédient de base. L'ingrédient de base. Donc, après avoir mélangé, quelle sera la prochaine étape une fois qu'on a mélangé? Ouais. Il est chargé dans les sacs de 25 kg ou de 50 kg, selon la préférence. Ça, c'est maintenant pour livrer au client. Oui, oui. Ok. Voilà, vous pouvez voir à l'intérieur du mélangeur. Il reste maintenant le soja. Ok. Donc là, ils vont ajouter le soja. Après soja et tu calané. Après soja calcaire. On a 4 petits déjà nanine.
maïs, sont des blés. Ok. Donc à l'intérieur, il y a déjà le maïs et le sang de blé. Et là, on met maintenant le soja. Voilà. Là, on vient de mélanger avec le soja. Après, c'est le calcaire. Ah, ça, c'est encore le soja. Et là, Là, on va enlever 1 kg. Voilà. Donc là, on a 5 kg de calcaire. Et ça va dans le mélangeur. Oui, oui, tout est scientifique, tout est calculé. Ah ben on est obligé de passer par là. Et après c'est l'huile de palme. 5 kilos. 4 kilos. Et ça va dans le mélangeur. Et on passe au pesage du sel.
Ils sont bien nourris, hein, les poulets. Là, on cherche combien de kilos? 1 kg 250 grammes. Mm-hmm. On est déjà à 1 kg 25. Plus les 20 kilos, mm-hmm. les 20, 200 grammes du récipient. Ok. Et là, ça va dans le mélangeur. Tout est bon? Ok. Okay. D'accord. Et là, on va mettre en marche la machine pour voir comment ça broie. Là, vous pouvez voir les différents ingrédients avec leurs couleurs, l'huile de palme, le sang de blé, le maïs. Il ne reste que la dernière étape, celle de mélanger. Donc on va démarrer la machine.